Bonjour! Dans cette capsule, je vais t'expliquer comment accéder à une rencontre Meet via Google Classroom sur un appareil Android. Donc, première des choses, tu dois aller dans ton application Google Classroom. N'oublie pas d'utiliser l'application Classroom qui a une mallette bleue dans le bas, donc le logo entreprise. Donc, j'appuie sur Classroom. Une fois dans Google Classroom, assure-toi d'être connecté avec le bon compte Google, donc ton compte de centre de services scolaires, puis appuie sur la classe que tu désires rejoindre. Une fois que tu es dans la classe, dans le coin supérieur droit, tu vas voir une caméra s'afficher. Donc, tu appuies sur la caméra. Automatiquement, l'application Google Meet professionnelle va se démarrer sur ton appareil. Donc, n'oublie pas de l'installer d'abord. Donc, me voilà prête à rejoindre la rencontre. Donc, je peux désactiver le micro ou l'activer. Et même chose pour la caméra avant de me joindre à la rencontre. Puis, il me suffit d'appuyer sur « Se joindre » pour me rejoindre la rencontre. Donc, me voilà dans ma rencontre Google Meet avec mon enseignant. Donc, si vous remarquez au niveau de l'interface, si vous voulez avoir les raccourcis pour le micro, la caméra ou même quitter la rencontre, vous devez appuyer sur l'écran pour les faire apparaître. Donc, ils apparaissent dans le bas de l'écran. Donc, il est possible de désactiver comme ça mon micro. Vous avez aussi dans le haut de l'écran des icônes qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, l'icône pour le haut-parleur. Il est possible de voir les participants de la rencontre ici. Si j'appuie de nouveau, je vais pouvoir accéder au clavardage avec l'icône qui est là aussi. Et finalement, sur les trois petits points, j'ai d'autres options. Donc, dans les options, nous avons l'option de changer de caméra, donc pour utiliser la caméra avant ou arrière de notre appareil mobile. Il est également possible de présenter l'écran de notre appareil mobile en appuyant sur « Présenter l'écran » ici et démarrer la présentation. Donc voilà, c'était comment accéder à une rencontre virtuelle avec ton enseignant via Classroom et Google Meet.